Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue sur les Santés du Réel. Je m'appelle Alexis. Aujourd'hui, nous allons revenir sur la question du tarot. On l'a déjà traité ce, cette émission hein, sur, sur cette thématique du, du tarot sur les Santés du Réel. Mon Dieu, je ne sais plus parler. Un, deux, trois. Euh, je suis ému parce que je reçois quelqu'un de foncièrement euh, vraiment intéressant. Vous allez le découvrir si vous ne le connaissez pas. Il s'agit de Pierre Treuil qui est donc professeur et consultant en astrologie. Hein, donc, il parle avec les étoiles, mais il parle aussi avec les lames puisqu'il adore le tarot. Il est également, maître Reiki et professeur diplômé d'état d'Aikido. Ce n'est pas rien. Euh, donc, mon cher Pierre, comment vas-tu Et surtout, euh, avant de te présenter, plus tu es quand même un, un collègue finalement, puisque animateur de la chaîne Pierre Treuil, et surtout, euh, prenez votre chemin, on va en reparler justement de, de ta chaîne YouTube. Donc, bonjour Pierre, comment vas-tu eh bien, bonjour Alexis, bonjour à tous, je vais bien. Comment ne pas aller avec ton sourire Forcément, je suis dynamisé par cette ambiance et je suis très, très heureux aussi bah, de te découvrir et surtout de voir que bah, moi, c'est prendre ton chemin et toi, c'est le sentier. Ouais. Donc, on est sur la même autoroute. <laughs> Exactement, effectivement. Et donc, on va reparler de, de ta chaîne parce qu'effectivement, il y a plusieurs sujets intéressants et tu fais notamment aussi, c'est ce que je disais en introduction, tu es quand même passionné d'astrologie. Donc, tu tu accueilles effectivement ton ami Patrick Gianni, si je ne m'abuse, hein, qui est astrologue aussi. On, on lui fait un coucou, hein, notamment s'il nous écoute. Et donc, euh, voilà. En fait, tu vas un petit, petit peu justement sur tous les sentiers euh, via ta chaîne, via tes émissions, tes directs et pas que. Et tu expliques, tu décortiques le tarot euh, de manière… Mais mon Dieu, euh, j'invite bon, les auditeurs à aller voir sa chaîne après, hein, directement après cette émission, bien, bien entendu. Ne <laughs> trichez pas, je, je le saurai. Euh, donc, euh, donc, voilà. En, nous avons parler effectivement bah, du, du tarot. Alors l'unique tarot j'ai envie de dire de Marseille parce que je crois que c'est un peu la source. Il n'y a eu que des itérations, si je ne m'abuse. Hein, le tarot de Marseille, il n'y en a qu'un finalement. C'est vrai que c'est le paradoxe, c'est qu'il est de Marseille parce qu'il y a eu des quartiers qui s'y sont établis, mais en fait, on ne sait pas d'où il est. Ce qu'on sait, c'est que les premières traces, c'est le tarot Visconti en Italie. Et puis après, il y a eu comme un blocage où tous les tarots ont gardé la même norme, tu vois, que ce soit le convert, Dodal et j'en passe. Et finalement, à partir de là, il est resté tel quel. Il a été redécouvert par Marteau et puis Grimaud, qui eux ont voulu faire du commercial. Donc, ils ont retiré des symboles, ils ont tirer de la couleur. Alors on a un pendu qui a les cheveux bleus. Et puis euh, de l'autre côté, on a des personnes qui se sont un peu attribué euh, le concept des 22 majeurs et autres et qui ont fait leur propre tarot alors avec plus ou moins de bonheur, c'est vrai que pour moi euh, le tarot le plus vendu au monde c'est celui du Rider-Waite et Smith puisque c'est madame Smith qui les a dessinés et en réalité pour moi euh, il y a eu vraiment euh, euh, un changement radical parce que les gens regardent les personnages dessinés ne sont pas dans le même sens parce que donc les regards ne sont pas identiques. Et je crois que à partir du moment où on sait le nom du créateur, que ce soit Eliphas Lévy et tant d'autres, hein, euh, eh bien, il y a l'énergie de la personne. Or, pour moi, le tarot, Jodorowsky dit tu prends un tarot, tu prends une cathédrale dans les mains. Ça signifie qu'une cathédrale, on ne sait jamais qui a construit. Même Notre-Dame de Paris, tu vois ne tu sais pas les, les pyramides, qui a construit les pyramides, on ne sait pas. Et quand c'est sacré, c'est secret. Pourquoi Parce que, comme dit Burenstein, c'est dans le secret que ça se crée. Et pour moi, le tarot de Marseille, si tu veux, on ne devrait pas y toucher vraiment. Je ne sais pas comment dire, tu ne vas pas me. Mmh. Madame, ils essayent, hein, euh, ils se débrouillent chez nous, mais euh, les pyramides, c'est plus difficile. Tu vois, il y a quelque chose qui est un socle indestructible. Et c'est vrai que moi, je travaille donc avec le tarot de Marseille et tous ceux qui s'en sont servis après, mais qui ont gardé encore une fois les fondamentaux. Oui, parce que c'est vrai que. Euh... Bon, par exemple, lors d'une émission que, que, que tu as tourné avec justement Patrick Diani, tu, tu tirais donc des, des cartes en pendant que lui il analysait ben, l'année 2023 justement en astrologie avec les, le, le thème si tu veux de 2023. Et, euh, et alors c'était très intéressant parce que bon donc tu, tu tirais une carte. Je vois justement la, la, la carte de la connaissance. C'est la euh, alors c'est euh, la première euh, dans les dans les cinq premières. Je n'ai plus le nom, mon Dieu, ça va me revenir. C'est euh, c'est une dame avec un livre, je ne sais plus. Ah, la papesse. La papesse, merci. La papesse, mer... euh, la papesse tout à fait. Et euh, je me disais, tiens, à ma femme, je... je dis, regarde, cette version de tarot, il n'y a pas le petit œuf en bas. Tu vois, il n'y a pas le... Alors, tu vois, c'est vrai qu'on euh, se demande, tu dis, on ne peut pas y toucher, mais on y touche. On, on y touche dans les couleurs, on y touche dans, dans, dans le graphisme. Euh, parfois, il est simplifié, tels les, les idéogrammes chinois euh, qui sont passés euh, du, du très complexe à, au, 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 au caractère simplifié. Bon, là, c'est pour ceux qui connaissent, hein, mais c'est en gros, c'est ça. On retire un peu quelque part l'essence, peut-être non de... bah, Si tu veux, Jodrowski, qui a refait ce fameux tarot avec. Euh moins les deux plutôt qu'à moins d'ailleurs qu'avaient les lames originales et justement sur l'œuf on lui a critiqué en disant dans la papesse il n'y a aucun œuf or lui il avait peut-être les cartes mais il avait aussi les moules et c'est au travers des moules qu'il a euh, reconstitué, enfin qu'il avait, il a dit, bah, ils sont usés et l'œuf, on le voyait moins. Donc dans son livre, euh, à, à Philippe Thiamouin, on voit le bandeau avec l'œuf qui, qui est usé par le temps, parce que forcément, ce n'était pas de l'imprimerie, hein, c'était des tampons, et l'œuf, il a existé à un moment donné. Bon, mais si tu veux, là, on rentre un peu dans le détail. Mais... C'est un exemple, hein, oui. Oui, <laughs> mais, mais, mais si tu veux, il y a une logique, parce que si en deux, on a un œuf, en trois, on a l'impératrice avec l'aiglon qui éclos, et en... Quatre, avec l'empereur, on a cet aigle qui lui-même fait un œuf et le cycle est bouclé. Donc il y a quand même une petite logique aussi dans, dans les jeux, mais c'est vrai qu'il y a eu un travail par rapport à, à, à plusieurs axes. Il y a deux axes, mais je ne vais pas rentrer là-dedans parce qu'il y a le tarot de Besançon et le tarot un peu de, de Marseille où les couleurs changent un peu, mais bon, c'est quand même l'état d'esprit qui doit être maintenu, je pense. Hein. Voilà. Bien sûr. Et on répétera jamais assez, le tarot pour les personnes qui découvrent le tarot, en tout cas par cette émission, éventuellement, ou en tout cas les nouveaux abonnés à qui on fait coucou d'ailleurs, qui, qui, qui découvrent peut-être le, le tarot pour la première fois, hein, puisque les sentiers du réel, effectivement, mais on présente plusieurs sujets, sur tous les sentiers. Et donc, euh, le tarot, ce n'est pas un outil uniquement de divination, euh, votre avenir et compagnie. Hein, le truc très très classique, très caricaturé. Ce sont des pistes que le tarot vous donne voire des clés de compréhension, mais nullement, aucunement, euh, vous devez suivre ce que le tarot vous dit. Vous avez quand même toujours un peu votre propre euh, libre arbitre. Euh, Peut-être pas en astrologie, ça c'est encore un autre problème, <laughs> mais en tout cas, dans le tarot, vous avez quand même encore le, votre libre arbitre. De suivre ou non euh, ce qu'un tarologue bah, peut lire dans, dans les cartes. Et puis surtout, on ne le dira jamais assez, les cartes, c'est les cartes, le tarologue, c'est autre chose. C'est le tarologue qui finalement définit un petit peu euh, comment euh, le tirage va se dérouler. Puisque dans une carte, mon cher Pierre, je ne vais pas te te, te l'apprendre, nous pouvons lire plusieurs choses. Hein, plusieurs Il euh, y a plusieurs lectures, mais alors. Euh, et que ce soit une carte astrale ou que ce soit une carte de tarot, parce que par un pur hasard, c'est quand même le même mot. Tu vois, euh, c'est comme une carte, on dit aussi que c'est une lame, mais lame, c'est beaucoup. Tu vois il, y a, il y a beaucoup de choses comme ça. De, le jeu, c'est le jeu. J'ai entendu un de tes intervenants euh, dire cela, et c'est vraiment important. Donc, quand tu donnes un jeu de cartes à quelqu'un et qu'il le mélange comme ça très fortement, tu dis il bat le jeu, donc il ne s'aime pas. Tu vois, mais euh, il y a effectivement l'interprétation qui compte. Et euh, à ce qui me concerne, sans être trop prétentieux, mais ce que j'ai noté, c'est qu'en fait l'interprétation, elle dépend aussi des personnes que on nous envoie. C'est-à-dire que j'ai remarqué ça au début quand on commence. C'est relativement simple. Et euh, comme si là-haut, il ne te donnait pas plus que ce que tu peux faire. Et tu progresses et à chaque fois, ça se complexifie. Et moi, je sais qu'en astrologie, euh, à un moment donné, euh, je me sentais un peu plus à l'aise. Et là, j'ai reçu une femme qui m'a dit, vous pouvez faire le thème de ma femme, de ma soeur. J'ai dit, le thème de votre soeur, oui, elle est née quand Elle m'a dit, le même jour que moi, une minute près. Mais ils avaient deux vies totalement différentes. Et j'ai dit, oh là, là-haut, ils charrient un peu quand même. <laughs> enfin voilà, tu vois, donc je pense qu'aussi l'interprétation qu'on a nous-mêmes aujourd'hui sur une carte n'est pas la même que quand on a commencé. Mais je crois aussi qu'il y a le contexte qui fait beaucoup. Et, euh, il faut se laisser aller à l'intuition parce qu'on est trop cerveau gauche et pas assez cerveau droit. Euh, en astrologie, c'est vrai qu'il y a des choses qui sont déterminées parce que euh, la Lune allait bien à cet endroit-là. Les, les éphémérites sont faits par la NASA d'ailleurs et tu... après si tu prends le bateau parce qu'il y a la pleine lune et que la mer est démontée et que tu as une coque de noix c'est ton problème c'est le libre arbitre comme tu dis mais si tu as un gros bateau bah voilà mais je crois que l'astrologie comme le tarot, ce sont des, euh, des, des panneaux indicateurs et après on suit notre fameux chemin. Tu sais, comme on dit souvent, j'ai pris le chemin le moins fréquenté, ça fait toute la différence. Et je crois que euh, c'est peut-être ça aussi que te permet le, les cartes du tarot ou de l'astro, c'est de te donner un petit peu le les possibilités les faisabilités de, de ton chemin et de, de t'ouvrir mais après personne ne tient la main quoi ça mmh, c'est ça. Ça. alors toi mon cher pierre aujourd'hui tu vas nous présenter eh bien, notamment enfin alors quelques quelques aspects justement euh, peut-être qu'on qu ne voit pas qu'on ne lit pas dans, dans, dans les bouquins euh, certains aspects euh, des cartes des lames les 22 lames notamment hein, les 22 lames euh, principales, mmh. Voilà. Il y en a 22, alors bien que sont numérotées de 1 à 21, et il y en a une donc, qui n'a pas de, de, de chiffre, si je ne m'abuse. Euh, et donc c'est ça qui est intéressant, hein, le tarot, encore une fois, tout le mystère, tout le casse-tête, et en même temps, le... <laughs> il, je crois, il devait être Scorpion, celui qui a inventé le, <laughs> le tarot de Marseille, j'en sais rien. En tout cas, il a voulu vraiment un petit peu brouiller les pistes, et à la fois, en même temps... Euh... Donner plusieurs clés de, de compréhension justement pour poursuivre tel ou telle sentier ou tel chemin, mon cher Pierre. Et donc aujourd'hui, tu vas nous parler un petit peu justement de cette symbolique. En tout cas que que, que je pense que toi tu as analysé. Alors je ne sais pas comment ça se passe. Est-ce que c'est est une c'est une analyse que tu as faite toi-même Est-ce que c'est quelque chose que tu as euh, découvert au fur et à mesure ou... Bah comme tout le monde, hein, on commence en stages. Bon, si tu veux, je me réclamerai plus de l'école Jodorowsky-Kamon dans, dans l'esprit, si tu veux, tu vois. Et peut-être que le message qui, qui me paraît intéressant, c'est de dépasser le côté de, de la prédiction, tu vois. Dans ce sens. Il existe forcément parce que c'est un peu comme je t'ai entendu aussi dans une autre conférence l'enfant intérieur il y a cette idée que ou un pendule le pendule c'est notre prolongement comme on a perdu toute sensation pour trouver de l'eau avec les pieds comme les anciens sorciers on est obligé d'aller vers la baguette de Coudrier et les cartes c'est un peu la même chose c'est notre prolongement inconscient et d'ailleurs Jung se privait pas de faire des tirages dans ses études de synchronicité moi ce que je pense c'est que si tu veux euh, il y a vraiment trois niveaux. Euh, il y a déjà un premier niveau euh, qu'on cite souvent avec Rabelais, à qui on disait Qu'est-ce que vous pensez de vos contemporains Il disait que ses contemporains, c'était le fric, la bouffetance et les fesses. Et ça, pour moi, c'est le premier niveau sur lequel les gens veulent euh, une. une Souvent, ils veulent même qu'on leur donne le numéro de téléphone, tout ce qu'il faut faire, les imprimer, etc. Tu vois, ils veulent qu'on leur prenne la main, ce qui n'est pas du tout le cas. Mais le premier niveau, ça serait un petit peu le quotidien, en quelque sorte. Et puis, il y a un deuxième niveau, plus psychologique. Et un troisième niveau qui ouvrirait un peu à la, à la mesure de Socrate, connais-toi toi-même, l'alchimie, le premier niveau. Et tu connaîtras l'univers, c'est évidemment l'astrologie et les dieux. Et là, on arrive vers les mythes. Autrement dit, si on prend le tarot, on va avoir, tu, tu nous as dit tout à l'heure qu'il y avait 22 arcanes majeurs, mais numérotés de zéro, <laughs> même pas de zéro, de rien du tout. Euh, c'est pour mettre ton nom parce que c'est toi le mat en fait. Et tu vas <laughs> les ouvrir les 21, non mais c'est ça, le cartouche il est fait en haut, tu mets ton nom, Alexis, et hop, on est parti pour faire 21 escales. En réalité, si on met 22 et qu'on met sur trois niveaux, ça coince quoi. Euh, parce que euh, si on fait euh, 21 cartes divisées par 3, on a 7. C'est facile. Par contre, si on divise 22 par 7, ça ne va pas. Et là, on obtient 3, 14 et quelques. Parce que 22 septième, c'est pi. Et la première carte, le battleur, il a bien un chapeau de l'Emnis 4 d'infini. Et donc, dès le début, le ton est donné. Si tu prends 22 ou 21, ce n'est pas pareil. Donc là, on est loin de Madame Irma. Et dans le tarot euh, certain, il y a 21 brins d'herbe, dont un qui est coupé, ce qui fait 21 brins d'herbe et demi. Ce n'est pas 21, mais ce n'est pas 22. On va jusqu'au brin d'herbe si vraiment on, on, on étudie le tarot. Et on est quand même loin du genre, euh, bon, il faut que vous divorciez absolument. Quoi. <laughs> Voilà, donc, on a un chemin qui est pris pratiquement sur trois niveaux. Euh, les derniers personnages, ils sont tous déshabillés. Ça commence avec le diable, ils sont tous nus. Comme s'il fallait aller vers cette vérité qu'on doit avoir en nous et de nous présenter le plus sincèrement. Euh, tout à l'heure, un peu off, tu me disais, ouais, l'ascendant, je ne suis pas trop d'accord. Mais l'ascendant, pour moi, euh, c'est véritablement notre chemin personnel, c'est notre individualité. Et ce qu'on fait voir aux gens, c'est leur personnalité, c'est le masque personnel. Donc, il faut retrouver notre individualité. Et en réalité, je pense que ce premier niveau, si tu veux, ce premier chemin en bas où tous les personnages sont très habillés, bah, on est vraiment dans la matière. Le deuxième niveau, il est beaucoup plus psychologique parce que déjà, ça commence par euh, euh, cette dame un peu bizarre, tu sais, genre le, la justice, la paf, c'est même une vertu. Donc, on ne mange pas avec la justice, tu vois, c'est vraiment, hop, une vertu. Et ça va aller jusqu'à 14. Et toutes les dernières cartes, d'ailleurs, regardent vers la gauche en disant, est-ce que tu as bien suivi ce premier niveau pour passer au suivant Et quand tu as fini le premier niveau, tu arrives avec le chariot, ouais, ouais, tu, tu fais le cacou avec tes, ton chapeau de marque. Qui, et paf, tu te retrouves avec la justice. Et quand tu as fini avec l'ange, tu dis, ouais, c'est bon, je vais pouvoir monter. Ouais, tu montes, tu arrives au dernier niveau et là, paf, tu as le diable. <laughs> Tout de suite, ça calme. Et tu, tu pars du, du, du diable, donc euh, le démon, pour aller au monde, la 21. Donc, il faut que tu inverses un peu la machine, tu vois. Et même dans les mots, c'est important. Et si tu vois quelque chose dans le tarot qui ne te plaît pas, ce n'est pas toi qui dois changer. Il n'y a pas de faute d'orthographe. C'est à la virgule près. Ça veut dire que si l'impératrice, il y a pas de L apostrophe, c'est qu'il n'y a pas de L apostrophe. Si jamais tu vois l'impère écrit d'une certaine façon et atrice écrit d'une autre manière, tu vois comme on dirait aujourd'hui la police qui change là, des lettres, bah, c'est qu'il y a l'impère et atrice. Et l'impère, en latin, l'impéré, c'est purifié. Et si tu ne sais pas le latin, tu regardes l'impératrice, tu vois qu'il y a un bénitier. Alors, de toute façon, il faut bien passer à la carte suivante en ayant été purifié. Donc, il n'y a pas de faute dans le tarot. Si le 12 n'est pas au milieu, il n'est pas au milieu. Ce n'est pas ouais, il ne savait pas ni lire ni écrire au Moyen-Âge, tu étais demeuré. Non, non. Donc, on a ce, ce, si tu veux, ce système de trois niveaux que, que l'on peut retrouver. Alors, par exemple, si tu regardes l'empereur, pour le niveau psychologique, tu vois qu'il a la main sur la ceinture tu vois qu'il a un espèce de sceptre, etc., et si tu es sur une interprétation psychologique, c'est-à-dire qu'avant, si tu as dit que tes cartes, elles étaient euh, prêtes pour une interprétation de niveau 2 psychologique, bah, tu vois une femme nue, la 17 c'est plus l'étoile magnifique et compagnie. C'est une femme nue qui est à genoux, qui est devant un empereur, qui a un sceptre. et un. Tu vois, je ne te fais pas de dessin, mais on est quand même encore une fois assez loin de Madame Irma enfin, pour, pour être désagréable mmh. et, et, et voir un peu parler de tout ça. Voilà, Moi, ce que j'ai trouvé vraiment génial dans, dans le tarot, si tu veux, c'est que c'est pas qu'il y a tout pour moi, mais quand j'ai vu que Elena Blavatsky, bon, on prend toutes les précautions qu'il faut, mais elle a dit euh, le tarot c'est la clé de décryptage de l'ésotérisme occidental. Alors là, je me suis dit, bon, elle n'en fait pas un petit peu trop, là, pour le coup. Et puis, euh, j'ai commencé à regarder, effectivement, bah, par exemple, j'ai fait de la géobiologie, et puis dans l'Arcane 3, on voit que derrière l'impératrice, euh, oui, il y a euh, deux menhirs comme ça. Et j'ai fait une vidéo d'ailleurs là-dessus, parce que c'est intéressant. Et le pendu, tu vois d'ailleurs que dans certains jeux, il y a le pendu, le Le pendu, c'est le pendu, le. Et tu vois, là, on, on passe en radiesthésie. Si tu me dis, ah euh, oh, bah ouais, sur la chaîne, j'aime bien entendre des personnes qui sont dans le soin. Tout d'un coup, l'arcane 6, tu sais, cet amoureux. Des fois, on se dit, il y a plus de mains que de personnages. On voit le massage, on voit le reiki. Et au-dessus, on a cette espèce d'angelo avec une flèche qui dit, bah, tu pourrais peut-être faire un peu d'acupuncture ou du douine. On en est là, tu vois, c'est ça qui est intéressant. Et euh, euh, toutes les cartes, par exemple, le, le, le tarot, tu disais, ça commence avec le mat, mais ça commence bien avant. Parce que la première chose. Comment on lit un tarot la, la, la papesse te le dit. Elle te donne un livre et elle te dit, le tarot, ça se lit comme un livre, de gauche à droite et de haut en bas. Et quand tu regardes, tu prends ton mat, tu dis, alors qu'est-ce que c'est bah, C'est l'espèce de chien, là, des fois on voit un lynx, enfin peu importe. Et tu dis, mais il est coupé. Donc, ça signifie que l'histoire, elle a commencé avant. Elle a commencé avant cette carte du mat et donc… C'est là qu'on peut dire c'est peut-être karmique ou alors c'est peut-être dans la géo dans la psychogénéalogie avec nos parents nos génétiques d'accord et c'est ça qui est intéressant donc on a du karmique on a du soin on a de la géobio de la radiesthésie l'astrologue bah tu sais tu prends par exemple ce qui correspond le mieux peut-être à l'astrologie évidemment je prêche pour ma paroisse mais je vois très bien le chariot parce que le chariot, il a un dé avec douze étoiles, donc ce qui correspond à douze signes astrologiques ou douze maisons astrologiques. Les gens vont dire « Oui, bon, c'est une coïncidence. » Mais alors, tu sais, il faut être simple avec le tarot. Il faut, faut se rappeler que c'est quand même quelque chose du Moyen-Âge. Et tu dis aux gens « Mais alors, qu'est-ce qu'il y a de, de dessiné ben, ?» Ils vous disent « Un chariot ». Ah non, prenez le dictionnaire, un chariot, c'est à quatre roues. Donc, c'est un char. Alors, pourquoi ils ont marqué le chariot Ah, le chariot comme la constellation. Ah ben, pour l'astrologue, c'est mieux voilà, et on pourrait aller loin, même euh, dire que certaines, euh, comment dire, euh, c -c -c certaines associations ont fait peut-être passer dans le tarot des choses. Qu'ils avaient peur de perdre. Parce qu'à un moment, la tradition orale, on le voit avec les Soufis en Afghanistan et autres, malheureusement, ça se termine la tradition orale par des, des méfaits des, des hommes. On a pareil les livres brûlés par Savonarole et j'en passe. Par contre, un jeu, il y en a beaucoup et puis on s'amuse. Et on n'imagine pas que dedans, bah, l'Arcane 16, on voit quoi Une tour avec des gens qui sont évadés de la tour et en regardant bien, il y a des lingots. Une histoire cathare peut-être. Exact. Exact. Si on regarde, euh, je te dis ça parce que ça me revient avec l'Arcane 7 qui correspond au maître dans la franc-maçonnerie. Et bizarrement, il a euh, le sceptre qui ressemble pas à un sceptre d'ailleurs, si on regarde bien. Il n'est pas du tout, c'est un hochet plutôt. Ça pourrait être le maître de loge. Ou alors le 2 de coupe. Mais bon, je m'égare un peu, mais le 2 de coupe, c'est les deux coupes qu'on retrouve sur le tablier des Rose-Croix. Et donc, tout le monde a glissé son, son truc, tu vois, les alchimistes. Ça pourrait être aussi l'arcane 16, parce que si tu veux, c'est le moment de la granulation où on voit le four avec la, la tour, là, et puis tout ce que ces espèces de confettis, c'est le moment de la granulation, c'est possible. Donc, on a effectivement une richesse infinie, euh, en passant par la numérologie, le diable qui fait 6, etc. Enfin, bref, plein, plein de choses qui sont euh, concentrées dedans. Et euh, les mythes sont vraiment intéressants. Le troisième niveau, enfin ce n'est pas un niveau qui est supérieur, disons qui est différent, mais. Tu vois, n'est pas moi qui dis connais-toi toi-même. Hein. Mais les dieux, c'est quoi Les dieux, moi, je, je pense que si tu veux, euh, quand on regarde le mat, c'est un chien qui mange la jambe d'un monsieur qui a un bâton. Bah, moi, j'habite à côté de Montpellier, la gare Saint-Roch, c'est Saint-Roch, c'est un monsieur qui a un bâton qui se fait bouffer la jambe par un chien. Mais si le tarot remonte aux Égyptiens, est-ce que ça serait pas Anubis, celui qui a un was, enfin un bâton, une tête de chien et tu vois, c'est ça qui est intéressant. Le pendu, euh, peut-être que c'est un peu Odin qui devait apprendre les runes euh, et qui était pendu sur son arbre, ou alors si tu préfères, Oedipe pour rester dedans, puisque Oedipe, ça veut dire pied tordu, et Oedipe a été aussi pendu. Euh, une histoire avec ton papa, je crois. Donc, on a comme ça, tu vois, je te parlais des mythes cathares, mais euh, imaginons qu'on regarde le jeu, mais alors pas pour faire du divinatoire. On se dit, tiens, qui c'est qui a un chapeau bizarre comme le battleur? bah La force. Et quand on met le jeu comme ça au centre, une croix, la carte au milieu, c'est l'arcane 11. Et l'arcane 11, la force, elle a un lion. Cœur de lion, le cœur du jeu. Cette carte, elle est vraiment importante. Et en plus, elle a un chapeau, donc, comme le battleur. Et tu te dis, euh, bon, c'est bien, euh, tu les mets l'un à côté de l'autre, peut-être qu'ils s'aiment, parce que c'est vrai que... Et tu te dis, mais en regardant bien, le, le, comment dire, le battleur, il a six doigts dans la main. Ah oui, il faut prendre un peu la loupe. Ah oui, mais bon. Moi, je les agrandis, j'ai des grands formats. Enfin, je <laughs> <suis pas doulain. rire> Voilà. Et, et tu dis, ouais, il a un doigt de plus. Et puis tu regardes la force, tu dis, elle a un doigt de pied en plus. Ce qui fait qu'il y a un rapport entre la force qu'elle le même chapeau, un doigt de plus. Tu, tu te dis, c'est quoi cette histoire Et tu te dis, euh, imaginons que ce soit peut-être... Euh, euh, cette femme ressemble étrangement à Marie-Madeleine. Pourquoi Parce que dans les vitraux, elle est représentée avec euh, non pas une écharpe safran, mais plutôt rouge, toujours rouge. Tu vois, elle a un chapeau, etc. Et l'Arcane 11 pourrait être Marie-Madeleine. Et donc, si elle a un lien avec le battleur, ça, peut, ça pourrait être Jésus. Mais Jésus, il faisait partie d'une tribu. Il y avait douze tribus en Israël, et lui, il appartenait à la tribu de Judas. Donc, cette tribu du lion. Or, Marie-Madeleine l'arcane 11 elle a un lion sur le ventre comme si elle accouchait bon voilà tu comprends le truc donc c'est pas euh, est-ce que je vais euh, me euh, déménager la semaine prochaine ou pas non voilà ça c'est magnifique euh, vraiment Pierre parce que c'est vrai que le tarot c'est bien plus que ça voilà c'est ce qu'on disait un petit peu en antenne avec Pierre justement euh, je disais euh, l'astrologie malheureusement euh, on, on en parlait dans, dans l'émission avec euh, Jean-Yves Espier c'est vrai que l'astrologie a été quand même longtemps et très longtemps et même encore maintenant encore plus peut-être euh, toujours mis euh, de côté euh, comme étant euh, juste une science de, de bonne femme, hein, disons-le comme ça vulgairement, euh, de magazine. Et puis, point à la ligne, alors que l'astrologie, mon Dieu, euh, c'est, comme je le disais, euh, une clé de compréhension de, de notre existence. Le tarot, bah, également, finalement, c'est assez, euh, assez étonnant, mais c'est vrai que c'est une BD, c'est ce qu'on disait aussi, on, on parlait de BD, on a parlé un peu de tout avant l'émission, mais <laughs> c'est vraiment une bande dessinée, une bande dessinée dans, dans laquelle vous avez justement le, le choix de, de, de lire les cases dans, dans l'ordre que vous voulez, ou qu'on vous donne surtout. puisque... Que, que le... Alors, on ne va pas dire le hasard, on ne va pas dire euh, Dieu non plus. Enfin, il y a quand même une énergie qui fait euh, c'est… on pourrait peut-être dire du côté musulman, c'est vrai que les, les musulmans sont pas trop trop pour tout ce qui est jeu de hasard, on le sait très bien dans leur religion et c'est vrai que le tarot ça peut faire peur aussi dans, dans certaines cultures parce que on joue un petit peu avec ce fameux diable, <laughs> la carte 15 euh, qui on le voit hein, deux personnes qui, qui sont enchaînées et, et donc vraiment voilà euh, je crois que quand on commence le tarot, ben, on se retrouve peut-être dans l'un des deux personnages un petit peu enchaînés. Parce que, croyez-le ou non, quand on commence le tarot, on, on, a, on a difficile de, de s'en défaire. Et ça, on y reviendra peut-être à la fin de l'émission, mais il faut, euh, comme toute chose, euh, utiliser cela de manière modérée. Hein c'est comme, comme le bon vin, c'est comme, comme, comme tout le reste, comme la bonne bouffe. Et, et le tarot, ben, c'est un peu la même manière. Il ne faut, faut, faut pas tirer le tarot. Euh, juste pour savoir qu'est-ce que vous allez faire à manger ou qu'est-ce que vous allez faire, euh, voir ce soir comme film. Ou demain, euh, si vous avez Ginette, euh, <laughs> Ginette, un prénom qui n'existe plus, <laughs> si vous avez Marcel qui, qui, va, qui va accepter votre rendez-vous. <laughs> non, non, le tarot, comme tu dis, c'est bien plus plus, plus euh, que, que tout ça. Et, et je, je trouve que cette, ce, graf, ce graphisme, ce, cette, ces représentations, c'est incroyable. C'est à la fois moderne, à la fois très ancien, mais à la fois très, très moderne. Oui, parce que tu vois... Euh euh, ce mat qui avance il arrive sur terre et puis euh, il est comme un battleur il a tous les outils sous la table et même si on a décidé de ne pas parler des mineurs il a quand même sur la table euh, une petite épée donc euh, il a un, un gobelet et il a donc en fait il a tous les atouts sur la table et le bâton dans la main puisqu'on n'a pas de trèfle cœur pique mais on a bâton épée coupe et, et denier et ils sont sur la table et donc après il continue il va voir sa grand-mère qui lui dit attends il faut que tu te comprennes alors elle lui donne un livre de couleur. Cher, faut que tu te comprennes, tu vois. Alors lui, il dit Bon, la eh, grand-mère, elle est gentille, mais enfin, bon, moi, je préférais une PlayStation, donc il va voir sa mère qui le prend sous son aile parce que cet aiglon-là, il n'est pas complètement formé. Elle lui dit Attends, je vais t'expliquer tout. Lui il dit Bon, eh, ça va, laisse tomber, je vais aller voir papa, au moins, on va pouvoir faire du, du sport. Et papa, il tape un peu euh, sur la table, discours un peu assertif en disant Mais attends, il faut te comporter correctement. Donc il s'en va, il va voir le 5. Là, c'est le 5, c'est le pape, mais pour lui, c'est le grand-père. Et on peut continuer comme ça, tu vois. Et le 6, il est amoureux, alors, il pique une bagnole en 7, tu vois, avec le chariot. Puis en 8, bah, il va devant la justice parce qu'il a déraillé avec cette voiture volée. Quand tu dis bande dessinée, ça, c'est un peu, tu fais marcher ton imaginaire. Et c'est ça qui est intéressant. Plutôt que de vouloir dire que, comment va être demain, eh ben, essayons d'imaginer un peu dans le tarot ce qu'on veut nous faire dire, à quoi on veut nous amener. Toi, tu dis les, les gens sont enchaînés. Mais si tu regardes bien, en fait, c'est un licol. Et donc, ils ont les mains dans le dos parce qu'ils cachent des trucs. Mais s'ils enlèvent les mains qu'il y a dans le dos, ils prennent le licol, ils le passent devant, ils sont libérés. Et comme on est en Arcane 15, eh bien, on les retrouve dans la 16. Et la 16, ils marchent sur les mains, ils font les poiriers, ils sont éclatés. D'ailleurs, il y en a un qui passe par la porte parce qu'il s'est évadé, il est très content. Et tu les retrouves après tous les deux dans l'Arcane du Soleil, en 19. Et là, tu vois, ils ont encore la marque du licol sur les cartes, c'est rouge. Et il y en a un des deux qui a une petite queue sur le côté. Et puis l'autre, il a les trois points de la franc-maçonnerie, où on dit que Camoin l'a ajouté. Alors que ce n'est pas vrai, mais le, un des premiers quartiers était le quartier du roi de France, et dans les premiers jeux, en 1700 et des brouettes, je ne sais plus trop, il y a déjà les trois points. Donc on a de la franc-maçonnerie dedans et on dit non, il n'y a pas d'œuf, il n'y a pas de trois points de ça. Oui, mais tu vois, il faut faire son chemin, se libérer de ses préjugés, comme le fait les deux diablotins de l'Arcane 15, se libérer en 16, hop, voilà. Tu sais, euh, moi j'ai vraiment, euh, comment dire, euh, un problème avec les personnes qui me disent que l'arcane 16 c'est la destruction. Parce que pour moi, il y a cette histoire de tour de Babel que on a voulu christianiser le jeu, alors que justement, ce qu'on fait le jeu, ils ont mis le pape en cinquième position, c'est-à-dire après l'empereur et l'impératrice, et ils ont même mis une papesse avant. Donc, tu vois dans quelle estime les quartiers tenaient euh, l'Église à l'époque. Et euh, moi, je, je, je crois qu'il faut, euh, euh, comment dire, euh, s'éloigner des dogmes comme ça. C'est ce qui semble être dit dans le tarot à, à plusieurs reprises, je, je pense. Je ne sais pas euh, si tu me suis sur, euh, ouais. sur, sur ce côté-là, voilà. Si, c'est même un peu cathar, je dirais, hein, puisque comme tu viens de le dire, mettre une papesse avant le pape, c'est déjà quand ouais. même euh, l'importance aussi quand même, de la femme, chose qui, euh, au Moyen Âge, me semble-t-il, solidement d'après l'histoire, n'était pas euh, du tout mise en avant. Euh, voilà, comme quoi ce dommage, est que les gens ne euh, se posent pas des questions simples, toi, parce que la tour, elle ne s'effondre pas, c'est marqué Dieu, c'est la maison Dieu, il n'y a aucune brique par terre et les premiers jeux de Dodal c'était même un pommier et il y avait un berger en dessous et on est passé de, des pommes et, et de l'arbre à la tour qui était droite, qui se tenait bien et tous les jeux, la seule différence quelquefois c'est que la, la lame elle est euh, habitée par un truc qui vient dans la tête de, de la tour dans la couronne, c'est normal si tu penses trop, hop, ça bascule en 15 puisque tu es en place. mais si Touché par la grâce, tu bascules dans l'étoile, tu es sous une bonne étoile. À toi de couper la tête, l'Uraus un peu là, hop, arrêtez de penser. Et donc, la maison de Dieu, c'est quand même le mot de Dieu, c'est le seul dedans. Alors, on peut être d'accord ou pas, mais symboliquement, ça veut dire ce que ça veut dire. Et quand maintenant j'entends « Ah oh, bah oui, il a tiré la tour, alors ça s'effondre, ah oh, bah mon pauvre monsieur, il ne faut pas acheter de maison et tout », alors qu'on la voit, elle est en bon état, enfin voilà, il je, je, je y, y a tous les deniers qui tombent en plus, hein, euh, on peut le prendre comme le ça. Gens, par les fenêtres. <laughs> voilà, en plus, souvent on parle de, de, de tout foudroyer et je pense que c'est le plus mot de la connaissance, si je ne m'abuse, qui, euh, voilà, qui est plutôt justement à la fontanelle. Hein, si, on, si on part de, du, du postulat que c'est une tête, enfin euh, en tout cas un crâne. Voilà, c'est la fontanelle, sixième sens, la enfin, septième science plutôt, septième chakra et, et j'en passe. Mais donc voilà, on peut de toute façon, euh, comme tu dis, euh, euh, alors non pas l'interpréter comme les éthéticiens, les éthéticiens diraient euh, l'interpréter de toute manière et en fait euh, finalement ça, ça tombe toujours juste, ce n'est pas vrai, c'est selon encore une fois euh, un tirage, un sujet, en tout, en, euh, une situation. Euh, et, euh, et de toute façon, euh, ces cartes euh, limite, ça euh, se demander si elles ont été créées par, par des humains ou, ou par. Euh, C'est formidable, quoi. On a tous les types dedans, c'est vraiment un jeu actuel. Moi, je, en fait, je suis venu au tarot parce que j'allais écouter une conférence sur les pierres. Je me suis trompé de jour. Ça m'a changé ma vie, je peux te dire. La prochaine fois, je fais gaffe à mon agenda. Mais comme quoi la destinée elle est là aussi. Et au travers de ce jeu, il n'y a pas de jour où je ne découvre pas d'autres choses. Tu vois, derrière moi, je ne sais pas si on les voit, mais j'ai des jeux, même pas à la main de 1700, etc. Et quelquefois, euh, il y a comme ça, justement, euh, des choses qui sont un peu peu différente, mais quand je tire le, le dimanche euh, euh, mes tirages pour la semaine, je, je garde l'esprit du jeu. C'est pour ça que si on prend un Rider Wait où le mat regarde dans l'autre sens où la tour s'effondre vraiment, il faut l'interpréter avec la tour qui s'effondre vraiment et ce mat qui regarde dans l'autre sens. Je, je pense que on se branche à l'énergie du jeu. Quelque part, tu vois, il y a, y, a, y, a, y a ça, quoi. Ce, ce côté de l'inconscient, ce côté énergétique qui est vraiment important. C'est vrai, il y a vraiment une. C'est <laughs> ce que je ressens, hein. c'est vraiment le, le tarot euh, fait, fait, comme tu dis, euh, entièrement partie de, de nous, ou en tout cas de notre énergie, ou de notre égrégore, selon, selon oui. la, les termes. Mais c'est vrai que on... le tarot devient nous, et nous devenons le tarot, quelque part. C'est vraiment, comme tu as très bien dit, une prolongation. Euh, de nous-mêmes, je ne sais pas si tu l'as dit en off ou si tu l'as dit dans, dans l'émission euh, <laughs> c'est comme côté poisson qui, qui, qui virevolte, mais voilà vraiment c'est ça, euh, c'est vraiment une, un prolongement comme il y en a qui, qui pensent qu'une moto est le prolongement de, de soi-même, une guitare euh, ça c'est autre chose, mais voilà le, le tarot c'est vraiment un outil euh... enfin, c'est plus qu'un outil encore une fois et je pense que même au-delà de ça il faut toujours remercier chaque fois qu'on qu qu tire une carte, je pense. Moi, en tout cas, c'est ma convention. Je remercie euh, parce que le tarot est quand même, mine de rien, euh, ben, on va dire presque une entité. Hein. C'est quelque chose de vivant. Ces cartes ne sont pas là. Euh, elles ne sont pas à donner à tout le monde, je dirais, ma limite. Oui, franchement, disons-le. Et euh, je pense qu'il faut être quand même un peu sain d'esprit pour, pour commencer à tirer ces, ces cartes. Et surtout, ne pas, ne, ne pas euh, de vouloir être avide de quelque chose. Hein, puisque comme le langage des oiseaux, on est vide, <laughs> on est vide de, de, tout, de toutes parts. Mais donc voilà, il ne faut absolument pas euh, tirer ce tarot. Encore une fois, c'est ce que je disais. Hein, euh, je ne fais pas la, la, la leçon aux gens, mais je, quand je vois, euh, j'ai déjà observé autour de moi le, la façon dont, dont certaines personnes tirent les tarots, et encore mieux que ça, des consultants qui vont chez euh, un praticien, un tarologue ou une tarologue euh, et dire ah non, ce tirage-là, il ne me va pas, il ne me correspond pas. C'est pas moi ça. Veux y, veux y ah, vous veuillez recommencer à un qui vous ah non, je, je m'excuse. Non, donc vraiment, respecter toujours, respecter le jeu, respecter surtout ces, ces cartes. Ce n'est pas un jeu, justement. C'est un peu la, la question, si tu veux, tout à l'heure, on a discuté et tellement parlé que je n'ai pas voulu te reprendre ou interrompre, mais à un moment, tu disais, bon, on a quand même notre libre arbitre. Et c'est vrai que c'est fondamental. Et en tant qu'astrologue, quand on me dit comment ça va être en 2023, moi je ne sais pas. Je, je sais qu'il y a trois ans, j'ai dit dans une conférence publique il se pourrait bien que le 6 janvier, ce soit la fin du monde. On m'a dit oui, la fin d'un monde. Bah, je crois que l'entrée de pluton à cet endroit là n'était pas anodin donc il y a quand même des choses qui sont écrites et on peut décider plus ou moins je pense qu'on fait ce qu'on veut mais dans un certain sens un peu comme dans un ordinateur ou dans un labyrinthe tu vas où tu veux mais tu es obligé de prendre les et si tu veux euh, je me souviens d'un formateur qui m'avait dit euh, personne vous oblige à prendre le jeu on était resté trois jours on avait tiré quatre cartes c'est dire qu'on n'usait pas les jeux hein. Et euh, je me souviens très bien que la personne avait dit dans son enseignement euh, si vous prenez un jeu, vous posez la question, comme c'est le prolongement de vous, de votre jeu, c'est votre jeu. À partir de là, on ne vous oblige pas à le prendre, mais si vous le prenez, vous le suivez. Et donc un jour, je fais une conférence à Montpellier, puis je me retrouve à la table après d'un invité. Et. Euh, <coughs> un monsieur euh, qui avait vraiment euh, Légion d'honneur, tout, qui était vraiment on sentait, euh, j'aurais dit un préfet quelque chose, et euh, il me dit mais c'est bizarre, vous faites une conférence là il y avait 80 personnes vous, personne vous dit, bah tiens, on fait un tirage tu vois, comme je te disais tout à l'heure, off, tiens on tire une carte avant l'émission <laughs> euh, mais euh, et, et euh, je lui dis, bah oui mais euh, c'est quand même une carte qui peut décider de, de, de pas mal de choses dans votre vie. Donc, vaut mieux pas, les gens ont compris ça. Ils me disent, mais moi, j'ai pas peur. Bon, bah, on était en train de manger, je pose mes couverts, et puis, cette personne est, est quand même assez connue maintenant, je le sais, euh, mais c'était public, et euh, il a tiré le mat. Et la question, c'était, euh, qu'est-ce que je dois faire dans mon métier bah, euh, Il a dit... Euh, je ne sais pas, il faut que je parte. Oui, il faut partir. Et il a dit Oui, mais si j'en tire une autre, est-ce que je vais retirer la même Et puis le mat. Et il commençait déjà à se parjurer. C'est ça, tu vois. Alors moi, je, je lui ai dit Je ne vous connais pas, je ne sais pas qui vous êtes, mais déjà, je sens que ce n'est pas très sain, vous ne comprenez pas. Il m'a dit Moi, je suis un joueur et provocateur, le risque est important. Le pire des risques, c'est de ne pas en prendre. J'ai envie de retirer une autre carte. Je lui ai dit OK. Après, c'est vous et votre conscience, c'est votre jeu et votre jeu. Donc, il a retiré, et là, on était, je ne sais pas, 7-8 personnes à table, tout le monde a fait, oh, il avait retiré le mat. Un mois après, il avait quitté la direction d'une grosse grosse entreprise qui est cotée en bourse. Et le gars est connu parce qu'il a écrit des livres, très connus d'ailleurs, sur le développement personnel. Et euh, il m'a invité à Paris. On était dans un restaurant, on a passé toute la journée à tirer des cartes. Parce qu'il m'a dit, euh, ce n'est pas, pas le mat qui m'a fait quitter mon entreprise. Il avait son bureau à Washington. Enfin bon, il ne faut pas exagérer quand même. Mais il m'a dit, c'est le grain de sable à goutte qui a fait déborder de le vase. Surtout deux fois. Et donc, finalement, c'est pour ça que quelquefois, quand les gens ont des jeux, au tout début, je leur dis, mais tirez des cartes tout le temps, le matin. Je ne sais pas, vous dites, tiens, qu'est-ce que je vais faire dans la journée ben, On tire ta papesse, d'accord Et euh, ça veut dire, on fait des dossiers. OK. Et le gars, il arrive, il dit, ouais, je vais faire une réunion, il parle, il va courir, il fait son sport, il va au restaurant le midi. Et puis le soir, ben, il s'aperçoit qu'il s'est cassé la, la jambe en courant. Ben, il n'a pas suivi ce qu'avait dit la papesse. Il valait mieux pas le tirer la papesse. Mais en revanche, quand on commence il faut tirer des cartes. Pourquoi Parce que c'est tellement sacré, cette bande dessinée, que ça fait peur. Les gens disent, oh là là, et moi j'ai un gros problème de voir les gens qui me suivent et à un moment, ils ne veulent pas tirer les cartes. Alors, quelquefois, j'ai un mail quotidien ou bien un truc qui me dit, bon, j'ai acheté mon jeu, je me lance. On a l'impression que pour 20 et quelques euros, c'est le monde. Mais comme quoi, le côté sacré, c'est important. Et tu parlais tout à l'heure aussi de... Euh, des, des, de la langue des oiseaux, mais le battleur, c'est un aigle. Dès la première carte, on dit attention, langue des oiseaux, le battleur. Et euh, pour les capricornes, il bat l'heure. <laughs> Donc, euh, attention, et on retrouve l'oiseau noir alchimique dans l'arcane 17 de l'étoile, évidemment, mais déjà, dès le début, il te dit, attention, il va y avoir des jeux de mots. Euh, tu joues à quoi À tarot, mais tarot, c'est quoi Bah, tarot, à l'envers, c'est rota. Ah mince, oui, rota, et on peut aller sur des... La Torah, vous... Voilà, rota, tarot, rota, et eh oui. Et on peut arriver à faire, tu sais, le fameux carré magique de, de 3 sur 3, ou de plus, opéra, c'est 6 sur 6. Les 22 et lettres pas... hébraïques, hein, voilà. Voilà, alors tu vois, ça c'est un autre sujet, puisque tu n'as pas beaucoup à mettre d'argent dans le basse que je démontre très vite. <laughs> non, ça va, prends ton temps, prends ton temps. <laughs> Mais c'est vrai que, tu vois, euh, il y a 22 lames, donc ça a été rapide de dire pour, euh, euh, pour Rider Waite, euh, on va faire 22 lames, 22 euh, lettres hébraïques, et du coup, il a inversé la force, et il a inversé, pour, parce que le lion, il fallait que ça corresponde, enfin, je ne vais pas faire un truc là-dessus, mais il a inversé des cartes. Donc, automatiquement, ce n'est plus l'énergie. Même si les gens, en plus, dedans, regardent dans l'autre sens, etc. Il y, y a vraiment un problème énergétique de, de ce côté-là en ayant inversé les cartes. Et euh, pour moi, il euh, n'y a pas de, de comment dire de, de lettres hébraïques dans le jeu. Elles ont été ajoutées avec d'autres jeux et ça faut en tenir compte. Hein, le Chine, etc. C'est important. Mais euh, il faut aussi peut-être être pas mauvais en cabale, un minimum. Mmh, C'est ça. Et euh, si le tarot n'a pas mis de lettre hébraïque, c'est qu'il n'y a pas de lettre hébraïque. Le, la personne qui rajoute 22 sur le mat ou un zéro, ça change la vibration. Dans une symphonie de Beethoven, tu ne mets pas un « la » à la place d'un « si » parce que c'est un « quoi » quoi. Hélas, ça me paraît un « quoi ». Tu fais tu, tu ton jeu et tu l'appelles de ton nom, etc. Ça donne ton énergie, mais… C'est pour ça que euh, je, je suis assez, euh, comment dire, intransigeant, je dirais. Oui, oui, c'est <laughs> euh, bien, c'est bien, c'est vrai. Pour, pour pas trifouiller les choses, tu vois, on peut le faire, mais alors ça s'appelle différemment. Voilà. Enfin bon, euh, je, je crois que dans le tarot, tu vois, même euh, la langue des oiseaux, la numérologie, etc. Euh, les couleurs, les couleurs aussi, très important. <laughs> ah oui, les couleurs. Le bleu, la communication, où j'en je passe, je n'ai pas les, les, les significations des, des couleurs dans la cabale, mais en tout cas, voilà, de ce qu'on en dit, c'est vrai que les, les couleurs sont, sont, sont importantes. Quoi. Et elles se reprennent, et ça on peut le, le découvrir sur ta chaîne, justement. Hein. Tu as fait d'ailleurs quelques euh, vidéos là-dessus. Euh, et donc je mettrai de toute façon le lien en question de ta chaîne, mais aussi de cette fameuse vidéo où tu expliques aussi notamment, eh bien, où tu passes au crible, les, les 21, les 22 cartes plutôt, euh, et tu expliques un peu leur symbolique, et tu aussi tu indiques que certaines couleurs se reprennent, se retrouvent dans, dans telle ou telle carte, parce qu'il y a des liens, comme tu dis, subtils, mais il y en a quand même. Et euh, à nous de les trouver quelque part. Et je crois que c'est quelque chose d'assez infini finalement. Hein, cette symbolique, on pourra toujours trouver euh, peut-être quelqu'un va, va un jour te dire dans, dans les, les, les auditeurs que tu as. Euh, ah mais vous savez cette carte-là, elle me parle parce qu'il y, y a tel élément et, euh, et toi tu l'as peut-être pas vu. Tu l'as peut-être pas vu avec tes yeux toi. Et euh, c'est ça qui est, qui est formidable dans, dans ce tarot. Je dis c'est là le côté un peu euh, euh, oui sacré, spirituel. Je, 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 encore une fois. Je, je dis C'est presque inhumain ceux qui ont, qui ont créé ça parce qu'il y a, y a une telle symbolique, y a une, euh, enfin, on peut y trouver euh, mille et une choses en fait. Hein. C'est incroyable. Et encore une fois, euh, non pas en inventant, mais vraiment euh, de manière précise. Euh, voilà, on peut trouver, on peut, et on peut surtout expliquer euh, dessin à l'appui euh, ce que ça veut dire dans, dans tel ou tel symbolisme. Voilà. Mais je mais je donc... pense que même, tu vois, tempérance, on voit en bas qu'il y a deux serpents, le cas du Cédermès. Comme ça, donc tempérance avec les deux jarres, tu imagines qu'il y a une idée de guérison, forcément. Mais euh, est-ce qu'on a vu qu'il y avait une main ici posée sur la thyroïde Ça m'est déjà arrivé de dire, bah, tu sais, un peu comme une personne qui ne sait pas ce qu'elle veut faire dans son métier, tu dis <coughs> Pardon, vous êtes sagittaire, l'étranger, ça vous parle. Euh, à la personne, ah ouais, je n'avais pas pensé. Bah, là, c'est pareil, tu vois, la personne vient te voir, pas de problème de thyroïde. Ah bah oui, mais comment vous le savez bah, je... Il y a une main, tu vois, sur tempérance, mais ça signifie qu'il faut regarder. Pardon, tu prends un petit coup d'eau hein, si tu veux. <laughs> ouais, ça va, <laughs> euh... on, parle, on parle de tempérance, <laughs> oui, c'est ça. Faut, euh, faut prendre le temps de l'errance, oui, ah, très bien, très bien. Mais c'est vrai que voilà. Il y a, il y a par contre, c'est vrai qu'il y a une symbolique. On, j en, j en, on en discutait au début. Une symbolique qui parfois change du tout au tout. Il y en a qui, qui sont, euh, euh, je crois, que la tempérance, justement, fait partie de, de ces cartes où euh, tu as de temps en temps l'eau qui est ondulée, et puis tu as, je crois, l'eau qui est même carrément sous forme de deux épées limite et même carrément euh, le, le, le trait de l'eau qui est, qui, est, qui est juste rectiligne, simplement. Ça change quand même du tout-au-tout, tout, tout, hein, parce que, bon, bon bref. Le, ça c'est Le dessin de... Est-ce que tu aurais, toi, justement, Pierre, un, un, un tarot que tu conseillerais Alors, je sais que c'est, encore une fois, mon Dieu, la question à ne peut-être pas, 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 pas poser, parce que, finalement, quelque part, euh, pour les personnes qui ont envie de s'y mettre, pour les personnes qui ont envie de découvrir tout ça, euh, le tarot, ce n'est pas, pas elle qui le choisit, c'est le tarot qui vient à soi. On le sait, c'est comme les pierres, hein c'est exactement comme les pierres. Je prends pierre et euh, voilà. <laughs> le pierre est venu à moi. <laughs> et euh, non, non, c'est moi qui ai été le chercher, mais bon, par contre, il est quand même venu à moi avec les euh, grâce à YouTube, grâce aux recommandations de YouTube, c'est vrai. Et, et donc, euh, <laughs> bref, le tarot vient à, à vous. En fait, ce n'est pas vous qui le choisissez exactement comme un, un animal euh, dans une animalerie. Hein, vous avez cinq chats, cinq, euh, dix chiens devant vous. Euh, va venir celui qui, qui, qui sera le vôtre. Et puis, s'il y en a deux, ce bah, sera pour vous les deux. Bon, bref. Mais donc, quelque part, est-ce que toi, tu as une idée Est-ce que tu as une préférence Est-ce que tu… Tu sais, le, le... tempérance, tu tires tempérance, quel jeu choisir enfin, c'est ce que tu me dis. Tu me dis la tempérance. Déjà, je vais te dire, j'ai jamais vu la tempérance. Tu vois Ou alors, c'est dans d'autres jeux. Parce que j'ai vu tempérance. Et si tu veux, c'est un peu comme tu vois un lycée, ça prend un œuf e, alors que c'est un. Ou un caducé, le caducé qui est au bas de tempérance, un caducé, ça prend un e. Euh. Donc, tu as, as un genre masculin qui est accordé en féminin, comme si on te disait, mais tu sais, dans les lycées, il y a des garçons et des filles. Et un caducé, il y a Ida et Pingala, il y a le, le, les deux forces, positives négatives. Donc, si on dit tempérance, c'est pas la tempérance. Si on dit la tempérance, tu féminises le mot. Et c'est un ange, et les anges n'ont pas de sexe. Alors, je te taquine un peu, évidemment, mais tout ça pour dire quoi Parce que comme on a deux cerveaux aussi, c'est-à-dire que j'ai souvent entendu, et toi aussi, hein, tu es dans les salons, les gens, vous croyez avoir choisi telle chose, mais c'est le pendule qui vous a choisi, etc. Oui, il y a ça, mais après, tu prends un pendule pour faire quoi Je vais faire de la géobiologie. Ah, c'est bien, tu as pris un pendule en buis, donc très léger. Donc, quand tu vas chercher les réseaux Hartmann dehors, en plein vent, ton pendule, il va aller dans tous les sens. Tu regretterais de ne pas l'avoir pris en métal, par exemple. Donc, il y a effectivement un côté logique, cartésien, indispensable à avoir parce que. Bah, tempérance, le côté masculin, machin, Ying ou Yang, comme on voudra, tu vois. Et puis de l'autre côté, il y a effectivement, arrête de, de dire, moi j'en veux un pointu parce qu'il est précis, alors que tu vas pas t'occuper de recherche de, de personnes disparues sur des cartes, c'est stupide. Prends un rond, au moins léger et au moins pour commencer. Alors pour le jeu, bah le jeu c'est la même chose. Je pense qu'il y a un jeu qui est celui que l'on va utiliser pour le tirer avec des personnes. Ce jeu-là, il peut évoluer. Tu vois, personnellement, ce jeu-là, il évolue en fonction de, de mon énergie. Je suis plus en phase. Mais c'est toujours un tarot de Marseille, évidemment. J'ai été visiter le musée de la carte à jouer que je recommande à, à tout le monde d'aller voir en région parisienne, ici les Moulineaux. Il y a plein, plein de jeux, c'est fabuleux. Et là, il y en a qui vous attirent et d'autres qui ne vous attirent pas. Et c'est vrai. Sauf que je pense que quand tu as fait ton choix de tarot de tirage, ce n'est pas pareil que tarot d'études. C'est-à-dire que pour le tarot d'études, moi je recommande plutôt celui de Camouin et Jodorowski parce que je ne comprends pas qu'un pendu ait les cheveux bleus et qu'il n'y ait pas de violet alors qu'avant il y avait du violet. Mais je sais que Marteau en 1930, pour des raisons d'économie, il n'a pas mis de violet dans la pointe de Tempérance justement. Tempérance a une petite pointe bleue, euh, violette. pardon. Comme sur celle de l'Arcane 8, il y a du violet, c'est-à-dire que tu passes de la justice des hommes à la justice divine, parce qu'à la gauche, ça part vers l'ultraviolet. Donc, tout ça pour dire que le, le, le tarot de Camon et Jodorowsky, c'est un bon tarot d'étude parce qu'ils ont fait énormément de recherches, ils ont fait beaucoup, beaucoup de travail. Et euh, je ne vais pas dire qu'il y a tout dedans, mais par exemple, tempérance, restons sur tempérance, je ne sais pas si tu le sais, mais le rouge et le bleu sont faits au pixel près. C'est-à-dire qu'à moins, quand il l'a imprimé, il a dit ⁇ Il y a autant de rouge que de bleu au pixel près ⁇ Parce qu'il avait remarqué que dans les tarots classiques, il s'arrangeait pour qu'il y ait le maximum de pixels. Comme d'ailleurs dans cette carte de tempérance, finalement, si tu regardes bien, il n'y a pas d'angle. Parce qu'il faut être arrondi. Et ça, tu vois, dans certains jeux, euh, je ne vais pas donner les noms pour compliquer la chose, mais euh, la Tempérance, elle est un peu bâtie comme un mec, un peu dur, tout ça, avec des ailes comme ça. Euh, tu vois, les vieux villes, tout ça. Je ne crois pas que ce soit, euh, ce soit bien pour, euh, pour comprendre. Tu vois, qu'est-ce que je vais faire ce, ce week-end Tu tires Tempérance, bon, je prends un avion, je vais me balader deux jours à Barcelone parce qu'il y a des ailes, je ne sais pas. Tu vois, OK pour ça. Mais sinon. Pour apprendre, c'est vraiment indispensable d'avoir un bel outil. C'est un peu comme il euh, y a des instruments pour apprendre, et puis après, bah, tu te prends un petit Stradivarius, mais. <laughs> Donc voilà, alors, le premier, moi je dirais le cas moins pour apprendre, et puis après, on se laisse bercer en fonction des cartes qui viendront effectivement à nous. Comme ça, on équilibre les deux forces logiques et euh, intuitives. Mmh. Oui, et puis surtout, euh, comme tu dis, euh, apprendre avec un, avec un jeu et, et après se l'imprégner. Est-ce que tu es justement… Là, là je saute carrément d'une idée à l'autre, mais est-ce que tu es d'accord si je te dis qu'on ne prête pas son tarot C'est comme une brosse à dents. <rire> 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 Ou autre chose, je ne dirai pas le nom, mais je parle de brosse à dents. <laughs> est-ce qu'on est ne partage pas son son tarot Parce que j'en vois certains, ils sont patinés, hein, je veux dire, il y a, il y a vraiment toute la, la patine, le vieux tarot là, le, on dirait presque que, que ça sort du, du Moyen-Âge justement, euh, avec cette carte un peu limite grasse où tu as les, les couleurs qui, qui commencent déjà à foutre le camp, Et, euh, mais je trouve que ça, ça a une… oh purée, ça, ça c'est vraiment… ou alors est-ce qu'il faudrait changer à un moment donné de, de tarot Ah, ça c'est encore une autre question c'est effectivement euh, sans fin. C'est-à-dire que si, euh, tu sais, en géobiologie, on met des dessins pour changer les, les ondes de forme. Et euh, Jodorowski avait remarqué que les dessins étaient des ondes de forme. Et il portait la carte à même la peau. Alors s'il la met dans son slip, je veux dire, bon, vaut mieux pas qu'il prête son jeu. Bon, cela, c'est pour la boutade. Mais quand même, c'est dire jusqu'où ça a été dans les expériences. Porter des... des tu vois, il y a des gens, ils ont des talismans. Tu vois, en astrologie, on parle de, euh, de comment dire, de, de dessin, ça, le mot m'échappe, mais tu vois, euh, de force, ce côté-là, par la, la force du trait du dessin. Et d'ailleurs, on parlait des, des, des lettres hébraïques, elles ont une forme. D'ailleurs, euh, le nom de Dieu est dans l'arcane sans nom. Oui, d'accord. Il, il y a Yod et Vavé dans la tête, mais il faut savoir où c'est. Mais tu as, as les quatre. Donc, il y a une force de par le dessin. Qui, qui est présent, tu vois, qui est, qui est vraiment très fort. Et euh, donc, pour moi, la carte, elle peut, par son dessin, émettre une force. Mais en dehors de ça, euh, je, je suis aussi un peu trop rebelle avec mon signe et mon ascendant pour euh, rentrer dans les canons, tu sais, du genre un peu vierge. Euh, ouais, oui c'est ça alors vous avez un jeu neuf alors il faut forcément mettre de l'enfant ah non non ne non, mettez pas de l'oliban il faut mettre de mire. et puis à 5h23 quand la lune elle monte etc alors un certain niveau non mais attends j'ai un menhir à côté de chez moi je fais le malin maintenant mais si je vais, la... si je vais activer Bélénos je vais pas y aller n'importe quand non plus on est d'accord mais euh, si tu veux si on fait des rituels parce qu'on connaît la force du rituel c'est ok mais si on fait ça parce qu'on a peur et tout, c'est pas bon. Si en revanche on le fait en disant, ben moi j'ai envie de sacraliser mon jeu, j'enlève le plastique et un bon moment, etc. Ok, si tu veux, tout est bien, à condition que ce ne soit pas fait parce que c'est marqué dans le mode d'emploi. Voilà. Parce on est que bien d'accord. Dans le tarot, dans, dans tous les tarots qu'on qu a, les anciens et les modernes, il y a un point commun il n'y a pas de mode d'emploi. C'est vrai. Et ça, c'est super important parce que quand les personnes font des oracles et tout, c'est normal parce que c'est leur idée à eux, il faut bien qu'ils expliquent. Ouais. Mais le tarot, il n'a pas besoin d'expliquer puisque les symboles, ils sont intemporels, universels. C'est la voie orale, voilà. Voilà, on retrouve bien le compas qui est dans la tête de l'empereur et, et donc ça fait rapport aux cathédrales et on retrouve des gargouilles dans les cathédrales qui sont dans euh, la sphinge ou autre de, euh, du tarot de Marseille, tu vois, qu'on retrouve. Donc c'est pour ça que... Je pense que euh, c'est un petit peu, il y a le sacré, puis il y a la superstition. Voilà, c'est ça, d'accord. Et, et là, tu vois, moi, par exemple, la semaine prochaine, je vais faire un salon à Nîmes, je vais avoir mon tarot. Les gens, ils vont me dire Bon, alors, est-ce que je peux prendre vos cartes ou pas Ou alors, tu sais, est-ce qu'il y a un jeu pour les profanes, tu sais, que tous les mecs, ils mettent leurs ondes négatives, puis moi, j'ai le bon jeu, tu vois mais en réalité, les Grégor, ça veut dire que s'ils viennent vers moi, c'est comme si c'était un pendule ou un jeu que j'ai choisi, la loi d'attraction. Et donc je lui donne mon jeu. Alors c'est vrai que quand je fais certains tirages, je, je me, comment dire, je me connecte plus, tu vois. Mais dans des stages, je prête mon pendule, etc. Enfin, je ne crois pas, comment dire, qu'à mon niveau. Je puisse avoir un mauvais retour parce que je vais prêter quelque chose à moi. En revanche, pour connaître bien le maître Ivanov, euh, il, te, il prenait une pierre, il disait euh, lequel avait tenu la pierre dans sa main parce qu'il connaissait les énergies. Mais là, il y a un monde euh, énorme, si tu veux. Mais moi, à mon niveau, je prête mon jeu, c'est-à-dire que plutôt que de dire au, à la personne qui vient de voir, elle te dit. Euh, euh, j'ai un gros problème ah bah je vous prête pas mon jeu parce que vous allez le, le pourrir quoi. <laughs> tu vas tu lui dis mais prenez mon jeu avec plaisir qui à, à le nettoyer à le mettre à la pleine lune etc tu mmh. vois ouais, bon, Je ne sais pas si je réponds bien mais si 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 parfaitement pour les règlements oui tu vois d'ailleurs même regarde avec internet il n'y a même plus de mode d'emploi tu, tu achètes une comment ça s'appelle ça une application il n'y a pas de mode d'emploi. Tu achètes un ordinateur, il y a un truc, c'est tout fin, il y a 50 000 langues, mais en fait, tu t'en sers pas parce qu'on est dans l'intuitif. Et c'est ça qui est intéressant. C'est pour ça qu'à mon avis, on rentre un peu dans l'ère du verso parce qu'on est dans l'intuitif et le tarot est avant-gardiste. Et c'est pour ça que pour finir sur tempérance, et après, on n'en parlera peut-être plus, mais tu me dis, quelquefois, il y a des épées, mais en réalité, il y a des ondes. Oui. Et les ondes, tu les retrouves sur les monuments euh, égyptiens. C'est le verso, c'est le seul signe qui reste sur les Égyptiens, les, 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 les trois vagues comme ça. Et il est sur la carte de tempérance. Et les gens qui disent, elle verse de l'eau, eh ben c'est pas difficile, il faut apprendre deux vases directement, hein, pas du vin parce que comme tu l'as dit, c'est dommage, mais tu fais exactement le geste de tempérance. Et là, tu le mets en haut et tu le mets en bas. Et qu'est-ce qui se passe ben, Ça va tomber par terre, jamais ça n'ira dans l'autre côté. Pour aller dans l'autre côté, évidemment, ça sous-entend que c'est des ondes. Parce que si on regarde Tempérance, elle est gauchère. Donc, mm -hmm. si elle utilise la main forte, la main droite, et que dedans, il y a, y a, y a l'épée de Dark Vador, tu vois, elle appuie, cling, et ça va dans l'autre. Ah, ben bah là, c'est bon. Ce n'est pas, pas ça qui tombe là, c'est ça qui monte dedans. Et tout d'un coup, on parle d'énergie, on parle de verso, puisque dans les anges. Dans le tarot, il y a quand même quatre anges, et ça se termine par le monde où il y a l'ange du verso, puisqu'il y, y a les quatre archanges. Hein, on on s'en souvient, en bas, il y, a, il, y a, il y a Luc pour le taureau, Marc pour le, euh, le lion, on a le machin pour Saint Jean, et puis on a le verso en haut. Et on retrouve le verso et la lame tempérance, la 14, où on a effectivement les ondes du verso. Et donc, pour moi, si tu veux, si on met une épée, c'est qu'on ne comprend pas bien. Le, le truc, tu vois C'est ça, ok, d'accord. C'est enfin, mon interprétation. Ouais, il y en a euh, 50 millions des interprétations. Mais il y a une réalité, la justice, il y a rien qui est droit. Tu vois, euh, je parle d'épée, l'épée, elle n'est pas droite. Déjà, ça commence comme ça. Au-dessus, il y a une poule sur là, il n'y en a pas de l'autre côté, sa corde, elle est… Tu la regardes, tu dis, elle, elle, elle est raide comme la justice. Puis en regardant, tu dis, c'est peut-être justesse, pas justice. Oui, oui, exactement. C'est un mot que… Dis, euh, pourquoi justice, il y a un J et puis jugement, il y a un I Il y a un I comme, comme au-dessus de, du Christ, I-N-R-I. Il s'appelait Jésus. Mais pourquoi on met un I à Jésus ben Comme jugement. Et ainsi de suite. Et tu vois, on retrouve une tradition euh, euh, chrétienne euh, au travers de, du J, etc. Voilà. Magnifique, magnifique Pierre. Quelle science, quel, quel, quel savoir, quelle quel passion que tu as, que tu, que ouais, nous, que tu nous transmets aujourd'hui justement comme ce tarot. Et comme tu dis, sans manuel, hein, encore une fois, peut-être que à l'instar des, des, des PC portables ou des applications GSM, tout le monde est censé apparemment s'en servir sans pour ça mettre de, de manuel. Alors on sait que c'est économique et écologique, surtout économique. Hein. Euh, pourquoi ils ne mettent plus de manuel dans, sur les, les, les PC portables ou les PC tout court, mais c'est parce que on, on nous sommes censés pouvoir les, les utiliser. Donc peut-être qu'il fut une époque où le tarot était euh, apparemment connu de, de tous et toutes. En tout cas... Euh... C'est un jeu d'illettré quand même, franchement. Voilà. C'est un jeu du ouais. moyen. Et euh, nous, on se prétend euh, lettré avec beaucoup de connaissances, etc. On a beaucoup de savoir, mais pas beaucoup de connaissances. On est limité par, euh, surtout par nos technologies actuelles, où on nous sert tout sur un plateau et euh, où on ne réfléchit plus, on ne met plus notre... Euh, alors, pas, notre, pas forcément notre cerveau euh, à, à rude épreuve, mais surtout notre, notre, notre bon sens et, et, et le cœur, encore une fois, hein, qui revient à chaque fois dans, dans toutes ces émissions, c'est euh, quand même toujours un petit peu la, la, le même sentier, le même chemin, le chemin du cœur, le chemin de, de la voie sacrée. Le... Le ju la, la justesse, comme tu dis, j'adore ce, ce, ce terme d'ailleurs. Hein, voilà. Euh, voilà, Nous vivons pour l'instant des problèmes de justice. <laughs> à, quand les problèmes de, à quand les résolutions de justesse Bref, Bref euh, sans philosopher, euh, mon cher Pierre, est-ce que tu veux tirer une carte de manière neutre, c'est-à-dire la carte que Pierre va vous tirer Alors ça, il, il n'est pas au courant, c'est un petit peu une surprise. Il voulait tirer une carte, effectivement, au début de l'émission. Mais donc, je te demande je simplement tirer une carte de manière neutre. Et cette carte parlera à chacun, euh, ou non, bien entendu, à chacun des auditeurs euh, dans leur vie. Donc, quelque chose, je ne sais pas si ça se fait, mais c'est quelque chose de... Voilà, je pense que ça peut, euh, ça peut parler. Une carte qui va parler à chacun d'entre vous de manière différente, bien entendu. Alors, Pierre ne va pas... Euh, Commencer à expliquer euh, toutes les manières de, de comprendre la carte, mais pourquoi pas euh, Ça pourrait être intéressant. Il y a peut-être quelque chose à, à suivre là-dessus et après on terminera tout doucement l'émission. Mon cher Pierre, je te laisse. Voilà les cartes. Alors tu sais, c'est un peu comme à Las Vegas, tu sais, on te <laughs> fait voir les cartes. Euh, ce que je voulais dire, c'est que euh, on tire une carte pour la personne qui euh, verra la carte. C'est-à-dire, oui. je crois profondément. Euh, et ça m'arrive sur ma chaîne, c'est que des gens me disent, oh, j'ai vu une vidéo à vous d'un tirage d'il y a deux ans, mais ça m'allait bien. Voilà. Donc cette carte-là, elle n'est pas so seulement dédiée aux premières personnes qui sont abonnées sur ta chaîne, etc. Tu vois, mais les gens, ils disent, mais qu'est-ce qu'il fait avec cette carte et, et là, justement, tu vois, cette idée de connexion, cette idée d'énergie invisible, justement, de, de tempérance. Hein Donc voilà, c'est juste une petite précision qui... Donc, Très bien. Je pense que tu me fais confiance que je vais pas tr triché. Il n'y a aucune triche dans le tarot, aucune. Je te laisserai regarder les dés, les, les faces, les numéros qu'il y a et tu me feras une thèse sur les… <laughs> je tiré ça, je ne sais pas. Ben voilà. Ah, la papesse. La papesse. On en parlait au début de l'émission, c'est rigolo. Alors, est-ce qu'il faut dire aux personnes euh, étudier euh, le tarot Parce qu'elle euh, donne un peu euh, l'envie Peut-être que pour ceux qui veulent aller plus loin, ils compteront le nombre de lignes qu'il y a à gauche et le nombre de lignes qu'il y a à droite. Parce que tu sais, on peut prendre un livre sacré et les pouces indiquent. Et c'est ce que fait la papesse. C'est aussi une science. Peut-être que pour d'autres personnes, ça sera qu'à des choses voilées en ce moment. Au moment où ils garderont, il y a beaucoup de voiles. Et si on regarde un peu plus près, on s'aperçoit même qu'elle a des voiles sur les oreilles. Y aurait-il des gens qui ne veulent pas entendre ce qu'on leur dit Va savoir. Et le décryptage va plus loin. Alors il y a cette, ce fameux œuf, c'est-à-dire que cette carte-là, elle va déboucher avec l'œuf sur quelque chose après. Et dans un tirage, c'est la carte qui vient après qui va euh, dire si, comment sera le projet. Tu poses la question et l'offre, il est clos sur quelle chose, quoi sur quel projet, quelle personne. Et là, les, les personnes qui nous suivent peuvent dire, bah, tiens, moi, je vais tirer une carte, je mets ma papesse ici, et pour moi, c'est quoi le projet et, et il y a une suite quelque part. Tu vois Donc, ça, c'est intéressant. Après, bon, bah... Euh, il y a plein de choses. On peut aller au niveau 3. La papesse Jeanne, moi j'habite pas loin d'Avignon, donc euh, tout le monde raconte cette histoire d'une papesse qui aurait un enfant, qui aurait accouché en marchant, etc. Donc il y a aussi du niveau, euh, comme on disait, les mythes tout à l'heure, les choses comme ça. Tu vois. Et puis, alors, euh, il y a quand même un truc, là je vais le dire officiellement parce que c'est dessiné, mais quand même ça fait bizarre. Je, je l'avance. Est-ce que, euh, est que je suis bien dans le champ? Oui. Mm -hmm. Je, que... vois, je vois ce, que tu, ce dont tu veux, tu veux parler, mais je ne je par... <laughs> <dis> je... <laughs> Parler du sexe, n'est-ce pas, c'est ça Oui. Alors, c'est un peu le côté joueur des quartiers, donc le sexe, il est ici, on, on, on le voit, et je trouve qu'il y a un côté euh, amusant de, dans le jeu et qui me fait dire que la papesse, est un être très spirituel, mais quelqu'un qui est spirituel, c'est quelqu'un qui fait rire. Coluche était spirituel. Il oui. n'était pas curé. <laughs> Donc, on a aussi euh, quelque part comme ça euh, de dire c'est un jeu. C'est un jeu. Vous voyez, la papesse avec un sexe, c'est quand même un peu exagéré. Et non. Et c'est pour ça que les personnes, si tu veux, euh, peuvent essayer de comprendre le tarot comme un esprit ouvert. C'est-à-dire à une époque, sûrement, enfin, je sais pas, nous, on avait euh, en France le Minitel, la 36-15, et sous, les vu, ponts, euh, sous les ponts, on voyait euh, des femmes nues, euh, 36-15, madame chose et tout ça. Et j'entendais je me... les gens un peu puritains, non, mais regardez ce qu'on voit sous les ponts. Mais tu imagines qu'au Moyen Âge, ils avaient dessiné une femme nue dans l'arcane 21. Tu te souviens de... Il y a oh, la corle oui. et, 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 et c'est la carte de fin. Et tout à l'heure, tu parlais des Qatars, et ça fait encore écho au Qatar avec cette mandorle, tu vois, avec la femme dedans. Et est-ce que la femme ne serait pas l'avenir de l'homme Et la mandorle, elle est en... ce sont des lauriers qui sont dessinés. Si c'est des lauriers, si l'or y est, c'est la femme. La femme, c'est l'or. Bon, voilà, tu vois, on, on peut quand même se dire que la papesse est la plus voilée du jeu, des, des arcanes majeures, bien entendu. et la 21, elle est dénudée. Un peu comme si l'objectif, c'était de dire Bah ouais, bah, je suis comme ça, bon bah voilà, quoi, tu vas pas en faire une affaire d'État, je suis ma vérité dans la nudité. Voilà. Et c'est un peu l'objectif à avoir, même si au début, il bah, faut quand même se protéger, il ne faut pas être idiot. Mais je trouve que quand je vois que pour 36-15, ils nous ont fait tout un truc. Alors qu'au Moyen Âge, où tu passais au bûcher parce que tu disais pas la bonne, le bon pater ou l'ave Maria qui allait bien, t'aller brûler sur un bûcher. Et les mecs, les quartiers, c'était quand même courageux de mettre une femme nue dans la mandorle. Ou normalement, je pense à Vézelay, Chartres, etc. C'est le Christ en majesté, la parousie, n'est-ce pas, avec les quatre évangélistes et Dieu, enfin Jésus, pardon, en plein milieu. Et, et les quartiers ils mettent une femme nue. C'est pas énorme ça, quand même. C'est ce que je disais, c'est à la fois ancien par sa réalisation et moderne par sa signification. C'est incroyable. C'est vraiment, c'est Ana. Ce n'est pas anachronique, c'est intemporel. C'est complètement intemporel ce, ce tarot. Elle, voilà, je pense que si on ne nous interdit pas de l'utiliser en cours de main, euh, si la chasse aux sorcières, qui est pourtant déjà un petit peu là, hein, quelque part, euh, là, on, ces dernières années, euh, on le sent quand même. Mais euh, c'est vrai, voilà. tant qu'on peut encore l'utiliser, euh, profitons-en. De toute façon, ce serait quelque chose qu'on ne pourra pas nous retirer. Ça fait partie de nous, ça fait partie, de, en tout cas, des, des passionnés, puis de, de ceux qui, qui veulent, qui désirent et qui écoutent sûrement cette vidéo et qui bah, peut-être connaissent certainement déjà Pierre Treuil. Sur sa chaîne, on va un petit peu en parler justement ta fameuse chaîne. Donc euh, la fameuse chaîne qui, alors tu l'as pris comme tu as mis comme titre, prenez votre chemin avec Spirale. Et euh, donc effectivement, tu proposes bah, sur ta chaîne donc des rediffusions de direct. Je pense que tu fais des directs également. Hein, euh, je pense. Et, euh, et donc, tu vas un petit peu sur tous les sentiers, tu, tu parles de changer de monte. là, on est justement avec la pleine lune, l'heure de la révolte, cette vidéo sera déjà, euh, naturellement, cette euh, vidéo est déjà passée, puisque là, aujourd'hui, nous sommes le 11, je l'annonce, le 11, et euh, le, justement, la guerre de la force. force. Et donc, euh, nous sommes au, au croisement des chemins, au croisement des sentiers. <laughs> quelle, belle, quelle, belle, quelle belle phrase poétique. Donc, euh, tu nous proposes donc, plusieurs vidéos, plusieurs, euh, et donc, no, notamment ton ami. Patrick Gianni, qui est astrologue. Et effectivement, ce que j'adore avec tes, tes vidéos, tes, tes émissions, c'est que tu, euh, ben finalement, que tu vous, vous croisez tous les deux vos, vos connaissances et astrologiques et tarologiques. Et ben souvent, on se rend compte quand même qu'il y a énormément de points en commun. Tu en as parlé justement dans cette émission. Est-ce que tu veux un petit peu nous parler de, de ton actualité Et donc, tu as aussi euh, cité euh, que tu seras dans un, un salon à Nîmes, c'est ça hein oui, mais c'est le 10, le 11, donc tu vois… Euh... Ah, bah, ce sera déjà passé. Alors, ou alors, c'est aujourd'hui. Alors, si vous écoutez cette vidéo, euh, vous l'avez déjà vue, ou alors… Euh, bref. Non, mais à... c'est oui, bien aussi, de, de temps en temps, de repartir au contact aussi des personnes. Donc, on m'a invité, comme toi, très gentiment. C'est là où, il y a trois ans, j'avais indiqué qu'il y aurait le virus, sans savoir que c'était le virus. J'avais pourtant dit que Pluton, c'était des vacheries de ce type-là, mais bon… Donc là, je pense que les gens, quand ils vont me regarder, ils vont peut-être me voir un peu comme justement une, dans le divinatoire, dans la, est ça. Et ce que je ne veux pas, moi, je veux bien prédire, c'est-à-dire dire avant qu'avec Pluton, il se passe ça. Mais je ne veux pas prévoir. Parce que je ne vois pas, je n'ai pas de flash. Je prédis, mais je ne prévois pas, tu vois. <laughs> Et, et, et moi, j'avais fait un premier livre, justement, je t'en parlais un petit peu off, parce que les gens me disaient, mais ça, c'est passionnant. Je disais, oui, mais bon, vous trouvez tout dans des recettes de cuisine, d'astro, de tarot, de Ricky, tout ça. Oui, mais vous, vous le racontez souvent, quitte à enjoliver un peu pour que les gens y viennent, tu vois un peu la manipulation. D'ailleurs, quand je fais mes miniatures, je manipule un peu les gens. Je suis désolé de le dire ça. Des fois, tu sais, j'ai mis longtemps avant de le fermer. Ça fonctionne et les gens regrettent pas après. Et donc, si tu veux, j'avais fait un, un premier livre initiatique où euh, il y avait un astrologue qui rencontrait un tarologue, etc. Et il y avait une énigme un peu policière, forcément, euh, qu'il fallait euh, découvrir à la fin. Et puis, euh, bah, j'étais pas mal relancé. J'ai dit non, je ne veux pas. J'ai écrit. C'est tellement long, fastidieux. C'est peut-être plus difficile à le faire publier qu'à l'écrire. Donc, j'ai dit non. Et puis, je pouvais pas dans ce premier euh, opus parler de signes et ne pas en tenir compte quand après ça m'est tombé dessus. Et euh, j'ai donc écrit le deuxième opus qui s'appelle l'ultime message uniquement avec des coïncidences. J'ai d'ailleurs dû en retirer parce que je crois que là ça aurait fait beaucoup. Et tout a commencé, je vais te dire juste le début, euh, parce que justice a un S à l'envers. Ah ça, ça m'a pas plu. Et euh, il s'avère que j'ai été élevé dans les châteaux de la Loire, et notamment je connais bien le château de François Ier, puisque tu as reçu il y a fort longtemps Didier Coilac. Euh, le S à l'envers m'a fait rappeler euh, la salamandre. Oui, c'est vrai. Et euh, j'ai donc visité le château de Ch Chambord, j'ai fait Blois, enfin tous les châteaux de François Ier, il a tout de suite euh, euh, décidé euh, euh, avec sa, sa mère qui était euh, duchesse de Bourgogne, sa femme, et, et sa mère qui était en Savoie, eh bien, euh, dans la justice, il y a la cordelière qui rappelle d'une certaine façon sa mère. De l'autre côté, c'est le 8. Et il a tout de suite mis pour l'Ordre de Saint-Michel sur la cordelière des 8. Je disais, ça fait vraiment beaucoup de justice avec le S à l'envers. Et puis, sur celui de Camoin, ce n'est pas tous les jeux, mais il y a euh, les insignes bretons. Tu vois, euh, l'ermite, l'ermine, pardon, l'ermine, l'ermite c'est 9, on reste à 8. L'hermine, et je me suis dit, waouh Et puis après, ça s'est enchaîné, j'ai pris un crayon, j'ai commencé à ouvrir un carnet. J'ai dû écrire le chapitre 19 avant le 22. J'étais à Conque, il se passait des choses. À côté de chez nous, on a la cathédrale de Maglone. J'ai rencontré des gens, des personnes, etc. En fait, j'avais les ingrédients, j'avais n'avais plus qu'à les mélanger. Je n'aurais pas été sympa vis-à-vis -vis des personnes si je n'avais pas fait ce petit roman, tu vois, sans prétention. Donc, je l'ai mis sur un site en disant, bah, écoutez, je vous laisse s'il y a suffisamment de subventions. Donc, il y en a eu assez. Donc, le livre, il va sortir. Il s'appelle La Lemnis 4 tirer l'ultime message, donc la 4, le fameux chapeau, et l'ultime message parce que, bah justement, changement d'air, tu vois ce que je veux dire, le verso, c'est un signe d'eau ou un signe d'air Un signe d'air, bien entendu, mais il y a beaucoup de gens qui pensent que c'est un verso parce qu'il verse de l'eau. Peut-être qu'on passerait à ce moment-là du signe des poissons au signe du verso peut-être un, un peu comme le deux de coupe, tu sais où il y a des dauphins qui sont à la fois dans l'eau et dans l'air, et François Ier était le dauphin aussi. D'accord, oui, c'est juste. On dirait, plus. <laughs> mais tu vois un <laughs> peu le, le, le ton du, euh, du roman initiatique, voilà, c'est bon enfant, ça se lit de façon amusante, mais au, au bout du compte, on se dit, ouais quand même, euh, effectivement, je vais regarder mieux euh, « Tempérance », puisqu'on en a parlé, et la mettre à côté de cette magnifique Vénus qui sort de la coquille de Botticelli. Oui. Et l'angle est exactement le même, mais il faut dire que vrai. dans un château en Roumanie, ils ont retrouvé Tempérance dessinée par Botticelli. Moi, j'ai trouvé autre chose, mais je ne peux pas le dire. <laughs> non, d'accord. OK. Intéressant. Très, très, très intéressant. Oui, 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 j'allais te dire, justement, euh, et même la, la 21e carte, hein, le monde, hein, c'est euh, on... un, un tableau connu. Hein. Je veux dire, voilà, a... <laughs> côté... lis euh, tous les jours sur Instagram. Je ah, publie oui. tous les jours sur Instagram. Quand okay. je suis à Paris, quand je... là, tous les châteaux de la Loire, j'ai trouvé des, des sphinges, des choses bizarres, parce que dans, dans l'arcane euh, de la route Dix. fortune, c'est. Ouais. j'en ai trouvé, donc je fais ma photo que j'ai trouvée à Paris, à Blois, Chambord enfin tout ça, et je mets l'arcane qui va bien avec alors voilà, et celle de ce matin écoute j'étais pris à Blois sur un trône comme ça, et j'ai marqué mais pour qui il se prend celui-là, et la réponse c'est bah trouvé, parce qu'il y avait le roi de coupe, le roi de bâton l'empereur etc, et je fais aussi des petites publicités donc sur Instagram pour nous amener à réfléchir sur les coïncidences, voilà je pense que <laughs> on a fait le tour de de toute cette richesse du tarot qu'on retrouve effectivement même dans les rues, dans partout en fait. Absolument, exactement. Et, Et... toi, tu parlais là tout à l'heure d'un musée donc, à Paris euh, du, du tarot, il y en a un également en Belgique. Hein, euh... Je pense que c'est un envers. Je ne sais pas s'il es encore ouvert. Ça fait très longtemps qu'il était ouvert. C'était tenu par un monsieur euh, euh, d'un certain âge. Je n'ai jamais été, malheureusement. Euh, il a plus de 2500 euh, euh, tarots euh, des, des, des contemporains, des, des antiquités, etc. également. Donc voilà, si un jour ça t'intéresse, je ne sais pas. En tout cas, je mettrai le lien également de, de, de ce musée. C'est une pub que moi je lui fais euh, voilà, en, en hommage parce que je pense que c'est un monsieur qui euh, a peut-être un petit peu subi les, les problèmes de. Ben en fait voilà, il faut quand même des, des sous pour, pour, pour tenir un musée, hein, vous le savez. Donc je mettrai ce, ce lien aussi pour, pour les, les gens qui sont de passage en Belgique et qui sont surtout belges, hein, parce que nul n'est prophète en, en son pays. Je, je suis euh, regardé par plus de Français que, que de Belges, voilà, c'est pas grave. Hein. <laughs> bah, euh, à bien, <laughs> bienvenue à la France. <laughs> et donc, euh, donc surtout, voilà, euh, il, euh, enfin, on pourrait en parler, comme tu dis, des heures de toute façon. Le tarot, c'est encore une fois une, euh, une, une, une connaissance, une philosophie presque limite, j'ai presque envie de dire, une connaissance infinie, euh, qui, qui, qui vraiment est fascinante et qui va au-delà, comme tu as très très bien dit, au-delà de, de euh, qui vais-je rencontrer euh, l'année prochaine et surtout quel boulot je vais-je vais avoir, etc., etc. Alors oui, bien entendu, euh, bien entendu, de manière terre à terre, ça peut servir à, à, à guider, bien entendu, le, 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 le consultant, mais encore une fois, on est bien au-delà de de cette signification là unique euh, et donc je pense que encore une fois ce, ce tarot ce, le, le, sac, le sacré du tarot euh, bien pourquoi pas euh, euh, si ça peut intéresser euh, certains d'entre vous n'hésitez pas à, à plonger euh, de, dans, dans les lectures eh bien de notre ami Pierre aujourd'hui, je mettrai de toute façon le lien en description, hein, bien entendu, pour, pour ton bouquin, pour ton site, pour 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 euh, j'y arriverai, pour ton Instagram euh, et pour, pour voir tout, tout ces, toutes ces belles, belles découvertes que tu fais euh, à chaque fois que tu voyages, hein, tel, tel le, le fou. Le mat. Dans le mat, dans la carte zéro, je pense, c'est ça, euh, carte zéro du, du tarot, alors la carte zéro, non, la carte sans chiffre, euh, tout comme la carte sans nom euh, qui est la treizième, voilà, mes chers amis Auditeurs, Je vous remercie d'avoir écouté jusqu'au bout. J'espère que cette vidéo vous a plu. J'espère que euh, eh l'accueil de Pierre Treuil euh, sur sa chaîne euh, fera écho avec la mienne et vice-versa. Pour les personnes qui découvrent peut-être les sentiers du réel via Pierre Treuil, ben, bienvenue à vous également. Euh, donc, grand merci de nous avoir écoutés vraiment euh, passionnément à la folie. Euh, et certainement, peut-être l'année prochaine, on se verra encore. Hein. Pierre, tu es le bienvenu sur la chaîne, il euh, n'y a pas de souci. Et vraiment, ben, ben, peut-être qu'on fera, pourquoi pas, hein, un jour un direct aussi ensemble les directs ne sont plus trop, en tout cas, au programme pour l'instant. Mais si ça te va, on fera peut-être, pourquoi pas indirect avec, euh, avec les auditeurs. Voilà. En tout cas, moi, je voulais encore une fois te remercier. Merci pour ta, ta passion, et surtout ton, ton accueil, ton ouverture, ton, ta connaissance, ton partage, et j'en passe, et j'en passe. Et on te dit de toute façon à tout, tout bientôt sur ta chaîne. Moi, je remercie encore une fois les auditeurs et à la semaine prochaine, chers amis. N'hésitez pas à partager cette vidéo, à la liker, à commenter. Vous faites ce que vous voulez, comme je vous le dis à chaque fois. Et de toute façon, nous, on se retrouve pour une prochaine émission dimanche prochain. Gros bisous. Salut. Si vous avez aimé cette vidéo et que vous voulez participer à l'évolution des sentiers du réel, vous pouvez faire un don sur ma page Tipeee dans ce lien-ci ou dans la description. En tout cas, merci d'avance et à la semaine prochaine